Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour la guidance intemporelle et les messages de ce jeudi, oui, de ce jeudi 14 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. La petite pensée positive de ce matin est indulgence. Cessons d'exiger toujours plus de nos proches. Ménageons-les. Et soyons indulgents avec eux. Et moi, je rajouterais aussi qu'on doit être indulgent vis-à-vis de soi aussi. Mais être indulgent avec les autres, c'est important. Alors, aujourd'hui, j'ai pigé amitié véritable. Ah, l'amitié, c'est quand même quelque chose de précieux, n'est-ce pas? Les amis véritables se sont déjà rencontrés au ciel. Il crée une sphère d'amour et de compassion ici, sur cette terre. Eh bien, les amitiés véritables sont aussi rares que les pierres précieuses. Et c'est vrai que l'amitié véritable, on peut compter ses amis sur les cinq doigts de sa main, n'est-ce pas? Si tu as le bonheur, eh bien, de connaître de véritables amis dans ta vie, c'est maintenant que la fleur de vie confortera tout particulièrement cette amitié, grâce, eh bien, à son énergie nourricière. Si tu n'as pas encore trouvé d'amis véritables dans la vie, tu le rencontreras maintenant. Tu reconnaîtras facilement la personne qui est vraiment profondément liée à toi du fond de ton cœur. Et qui t'aime tel que tu es. La fleur de l'amitié, n'est-ce pas? La fleur de l'amitié véritable t'aidera à faire le bilan pour distinguer dans ta vie le véritable ami de celui qui n'est simplement qu'une bonne connaissance. Tu sais jusqu'où tu veux t'investir dans une relation amicale. Jusqu'à quel point exactement tu es ouvert pour une amitié, où se situent tes craintes, où se situent tes doutes, mais aussi tes limites. Peut-être que, par le passé, tu as considéré le fait d'avoir un véritable ami comme allant de soi, ou alors que c'est à part de cette véritable amitié qui faisait défaut, que c'est ton engagement qui manquait. Mais il se peut aussi que ce soit l'inverse, que ça soit la partie adverse. Le moment est maintenant venu, n'est-ce pas, d'investir du temps et de l'attention dans cette amitié, puisque le véritable amitié sont extrêmement précieux. Et c'est vrai que lorsqu'il y a de véritables amitiés, c'est extrêmement précieux. Il est très important de les soigner et de les traiter avec amour à leur juste mesure. Vous savez, de véritables amis sont peut-être pour vous un cadeau du ciel. Peut-être voudrais-tu célébrer ce cadeau en organisant, pourquoi pas, une fête, une soirée agréable. Vous pouvez aussi décider de passer, pourquoi pas, une journée entière ensemble. En tous les cas, l'amitié est très rare. Et lorsque
on rencontre quelqu'un et qu'on pense que mais il me semble que je l'ai toujours connu. Ah, peut-être que là-haut, vous vous êtes connu et vous vous rencontrez de nouveau ici sur Terre. Il y a peut-être du déjà-vu et cet attachement que vous avez et vous allez faire en sorte de tout faire pour cette personne, par amitié, par amour, parce que l'amitié, c'est l'amour aussi. Ce n'est pas l'amour entre... L'amour entre deux personnes, c'est l'amour-amitié, mais c'est très important et lorsqu'on est déçu d'un amour-amitié, ça peut être très profond. Alors, votre défi aujourd'hui. Il est très important que vous soyez honnête avec vous-même. As-tu réellement envie d'avoir des amis autour de toi? Qu'es-tu prêt à sacrifier pour ceux qui t'aiment? Est-ce que vous êtes dans cette dynamique d'avoir des amis autour de vous ou est-ce que vous êtes dans cette dynamique où vous êtes reclus? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier des moments et d'aimer? Quelle attention es-tu capable d'apporter? Dans cette amitié, est-ce que tu apprécies tes amis? Ce sont toutes des questions que tu dois te poser. Eh bien, cette fleur de vie de l'amitié te vient en aide pour mettre de l'ordre dans tes amitiés, pour mettre en lumière ta part de cette amitié, mais aussi celle de ton véritable ami. De nouveau, hein, encore une très belle guidance et revenir à soi et faire ce travail et se poser toutes ces questions, ça nous permet un nettoyage, de faire le nettoyage. Et voilà, est-ce qu'on est prêt à accueillir un nouvel ami? Est-ce que, voilà, on n'a pas envie parce qu'on a été déçu par une amitié, un ami, voilà. Est-ce qu'on a été déçu dans le passé? Et si on a été déçu, ben voilà, on a peur de donner cette amitié à quelqu'un, peur que cela recommence. Mais dites-vous que chaque personne est différent, que tout le monde n'est pas le même. Chaque individu est différent. Donc, voilà, et peut-être qu'il est grand temps que vous fassiez un tri dans votre entourage. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas aptes à être en amitié avec vous. Peut-être faire un nettoyage, n'est-ce pas? Enfin, bon, bref, ceci dit, je termine avec message de ton âme, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Eh bien voilà, je vais rebondir encore sur l'amitié. Peut-être que vous voulez être ami avec tout le monde parce que vous avez peur qu'on ne vous aime. Ça aussi, hein, c'est un travail à faire sur vous. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.